On est ici pour sonner l'alarme parce qu'on veut que le gouvernement prenne la pleine mesure de la crise dans laquelle on est. On veut surtout qu'il prenne des mesures pour remédier à cette crise. On le sait tous, travailleuses, travailleurs du secteur public, on le sait tous qu'avant la pandémie, on était à bout de souffle. On le sait tous, on le sait toutes qu'avant la pandémie, l'élastique était tiré à son maximum. Là, on est en pleine crise et la situation devient de plus en plus critique. Il faut rendre les services publics plus attrayants. Et qu'est-ce que le gouvernement nous propose, lui? Bien, il nous propose des augmentations salariales insuffisantes qui presque rien sur les conditions de travail. On va avoir les moyens de donner des meilleurs services. Nos conditions de travail, il faut qu'ils répondent à nos besoins parce que c'est comme ça qu'on répond aux besoins des Québécoises et des Québécois. Il faut saisir l'occasion des négociations pour nous écouter, pour réellement négocier. Monsieur Legault, la négociation, ça ne se passe pas dans une conférence de presse. Ça se passe à la table de négociation. Nous tous, chacun et chacune ici, qui travaillons dans le service public, on est des piliers de la société québécoise. Mais après des années de coupures, d'austérité, de réingénierie, etc., les piliers sont fragilisés. Il est plus que temps de les solidifier. Monsieur Legault, arrêtez de nous remercier. Commencez donc à agir et à négocier pour tout le monde, pour les centaines de types d'emplois qui existent dans le secteur public, pour qu'on n'oublie personne. Solidarité.